Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point de l'actualité. Tout d'abord, une information. La Côte d'Ivoire organise une rencontre pour gérer les armes légères. Il s'ouvre ce mardi 25 mars à Abidjan, un atelier régional sur la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en coopération avec le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Et la direction des opérations techniques du Conseil Café Cacao dresse son bilan à mi-parcours de la campagne 2013-2014. C'est à la faveur d'un atelier ouvert vendredi à Yamoussoukro afin de faire le point des activités déjà achevées et de mener des réflexions sur les modes opératoires des activités à venir. Intéressons-nous au lancement du programme Feed the Future, un projet qui vise à promouvoir les cultures céréalières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, y prennent part. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'Agence américaine pour le développement. Juliette Weah. Dans la sous-région ouest-africaine, 9 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés par l'initiative Feed the Future. Le projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Il s'agit ici de procéder au lancement de 4 projets portant sur les chaînes de valeur riz, maïs, sorgho, viande et lait. Le programme Feed the Future est né en 2011, au lendemain de la grave crise alimentaire survenue en 2008 dans les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP. La raison? L'augmentation des prix du riz, denrée la plus consommée sur le marché international. Objectif? Améliorer la production des pays ACP afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Nous pensons qu'avec une croissance de l'ordre de 7% de la consommation en riz, ce besoin va aller en s'accroissant. Nous comptons combler ce déficit en 2016, créer un stock de sécurité entre 2016 et 2018 et donc exporter avec 2018 à partir de 2018 dans la sous-région. Les productions en net vont être de l'ordre de 3 millions de tonnes d'épadis, donc environ 1 500 000, 600 000 tonnes de consommation. L'atelier de lancement du projet Feed the Future sur les céréales et la biodiversité va s'achever le 28 mars prochain, une porte ouverte à la réalisation du premier objectif du millénaire pour le développement, à savoir éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Après Abuja, la 7e rencontre annuelle des acteurs du monde de charité se tient depuis hier à Abidjan. Collectrices de noix, acheteurs, exportateurs et industriels tenteront au cours de ce conclave de relever les défis auxquels fait face le secteur. Il s'agit entre autres de la préservation et de la gestion des peuplements de l'arbre de karité, ainsi que l'amélioration du taux de transformation de ce produit. En santé, la fièvre Ebola fait des ravages en Guinée, apparue début février. L'épidémie virale hémorragique a fait au moins 59 morts dans ce pays. Les autorités guinéennes sont à pied d'œuvre pour éradiquer la maladie. Parmi les victimes, les proches de Bernard Tinkiano, il a perdu 8 membres de. Et notons que la Guinée fait frontière avec la Côte d'Ivoire face à l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans ce pays. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé, a mis en place une stratégie en vue de sécuriser le territoire. Cette stratégie tourne autour du renforcement de la surveillance épidémiologique, surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et de la sensibilisation des populations aux gestes à adopter pour éviter la maladie. Fatou Fofana. Le virus Ebola est-il aux portes de la Côte d'Ivoire? La question revêt un caractère particulièrement important et est traitée comme telle par les autorités sanitaires du pays. Depuis hier dimanche, des réunions d'urgence se tiennent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il en résulte un dispositif sécuritaire et sanitaire important, notamment au niveau des frontières avec la Guinée-Conakry, où une épidémie a fait une soixantaine de morts depuis le début du mois de février. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémiologique
dans tout le pays, surtout dans la région ouest. 2. Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. 3. Le renforcement de la vigilance dans les services des urgences, des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. 4. L'organisation de la prise en charge des cas. 5. La création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. 6. L'organisation de campagnes de sensibilisation. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées, dont le suivi des populations aux différentes frontières terrestres et aéroports, et les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer pour se protéger de la maladie. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, porc-épics, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie se présentant sous forme de fièvre, de maux de tête ou de saignement, prévenir l'agent de santé la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Le malade doit rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout autre lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par les sécrétions du malade avec une solution javelisée. Se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. L'application stricte de ces mesures devrait mettre les populations ivoiriennes à l'abri du virus Ebola. En tout cas, c'est une priorité pour le ministère de la Santé. 106 délégations de transporteurs ont échangé hier avec le ministère des Transports qui leur a expliqué les bienfaits de la nouvelle réforme du secteur. Réforme basée sur la mise en place au ministère des Transports d'une base de données unique. Le Haut Conseil des Transporteurs a approuvé cette décision du ministre Gaoussou Touré. Le récit de Doigt de Laser. Le Haut Conseil des Transporteurs de Côte d'Ivoire approuve désormais la nouvelle réforme du secteur des transports engagée par le ministère de tutelle. Pour le président de cette organisation, l'initiative du ministre des Transports, Gaoussou Touré, qui vise à assainir et moderniser le secteur des transports en Côte d'Ivoire, vient à point nommé. Doyen Zikan, Doyen Mangala, Doyen Eza Djabi, autour de moi. Quand tu es le transporteur aujourd'hui, quand on enlève les trois, il n'y a plus de transporteurs. Et ils sont à côté de moi, ils m'ont donné leur aval pour dire que de prendre toute la garantie au nom des transporteurs pour dire qu'elle est forme, ils ont adhéré. Pour sa part, le ministre Gaoussou Touré rassure les transporteurs du bien fondé de la réforme. N'hésitez pas, vous avez fait le bon choix. Je vous salue, je vous remercie, je vous honore. Et je ne pensais pas autre chose, parce que je sais que depuis très longtemps, nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée, je n'ai rien d'autre demandé que l'union. 106 délégations des transporteurs de Côte d'Ivoire ont également adhéré à la décision de la réforme du secteur des transports. À l'étranger, après bientôt 13 années passées au pouvoir, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, peut-il briguer un troisième mandat? Le lancement d'une pétition dans le pays ravive le débat. C'est lui qui a allumé la mèche. Claude Machala appelle les Congolais à consigner leur signature dans ses registres bleus pour permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Nous devons arrêter avec la culture des chantiers inachevés. Et Kabila, ce n'est que l'ouvrier du peuple. Et tant qu'il y a de quoi payer les manœuvres tous travaux que nous sommes, lui, l'ouvrier en chef, ne peut pas abandonner les chantiers. Claude Machala se fixe un objectif, récolter 6 millions de signatures. Pour l'heure, il n'en a recueilli que 50 000. L'initiative de ce cadre du parti au pouvoir engendre de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. L'opposition accuse les responsables du PPRD de provocation. Ils ont déclaré la guerre contre la population et la population doit se prendre en charge. Ils ont affaire aux gens qui voient clairement ce qu'ils veulent faire et nous allons barrer la route à ces inciviques.
Dans sa ferme privée, située à 80 km de Kinshasa, Joseph Kabila réunit les membres influents de la majorité présidentielle pour recueillir leur avis sur la question de son troisième mandat. Mais le chef de l'État congolais lui-même ne se prononce pas. Ses lieutenants multiplient des déclarations ambiguës. Le président de la République est respectueux de la Constitution. Il la respectera. Il sera remplacé le jour où il y aura un président de la République élu conformément à la Constitution. La société civile congolaise suit de près le débat entre le pouvoir et l'opposition, mais elle prévient qu'elle s'élèvera contre toute modification de la Constitution pour permettre au président Joseph Kabila de se présenter en 2016. L'actualité en bref sur le continent nous conduit en Somalie, au Kenya, en Libye, mais tout d'abord en Ouganda. Sur les eaux du lac Albert, les recherches se poursuivent après le naufrage d'un navire qui transportait quelques 250 passagers. Pour l'essentiel, il s'agissait de réfugiés congolais qui avaient décidé de quitter l'Ouganda pour rentrer en RDC. 98 corps ont été repêchés. De la rive, 41 survivants assistent impuissants aux recherches. Le drame a eu lieu alors que les autorités ont lancé une campagne contre les dangers de la traversée du lac. Dans la région de Bas-Chabel, les forces du gouvernement somalien, épaulées par celles de l'Union africaine, ont repris la ville de Koriolé, au Chebab. Après de violents combats, les islamistes, liés à Al-Qaïda, ont fui en direction de Baraoué, leur dernier bastion, entre la capitale et le port de Kismayo. L'offensive débutée en mars doit se poursuivre. Deux personnes blessées pendant le service dominical dans une église évangélique en banlieue de Mombasa au Kenya sont décédées durant la nuit, portant le nombre de morts à 6. 15 autres victimes sont toujours hospitalisées. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, multiplient les actions terroristes au Kenya, reprochant à ce pays son intervention en Somalie. Le Morning Glory est de retour en Libye. Ce navire égyptien battant pavillon de complaisance nord-coréen a été arraisonné par la marine américaine puis remis samedi aux autorités libyennes. Les 21 membres d'équipage, le capitaine et 3 Libyens ont été transférés à la police judiciaire. Ce pétrolier contrebandier était chargé de 234 000 barils de brut, achetés illégalement à une milice locale au port d'Al-Sadra. Le navire avait échappé aux autorités libyennes qui voulaient le bombarder avant l'intervention américaine. Faisons à présent le tour de l'actualité en bref dans le monde avec comme point de départ Taïwan, théâtre de manifestation. Tension à Taïwan, la police a fait usage lundi de canons à eau pour déloger des centaines de manifestants qui avaient envahi le siège du gouvernement. Dans la nuit, des bâtiments gouvernementaux avaient été pris d'assaut par les manifestants qui occupent également le Parlement depuis près d'une semaine. 32 personnes ont été interpellées et des dizaines d'autres blessées. Les manifestants protestent contre un accord de libre-échange avec la Chine, premier partenaire commercial de l'île. Pour eux, ce texte risque de porter atteinte à l'économie de Taïwan et de la rendre plus vulnérable aux pressions politiques de Pékin. Pendant plus de 5 heures dimanche, des accrochages ont opposé deux groupes armés rivaux à Beyrouth, l'un salafiste et l'autre soutenant le Hezbollah chiite. Le Liban est profondément divisé sur le conflit syrien qui a exacerbé les tensions communautaires entre sunnites, qui soutiennent la rébellion, et chiites impliqués dans les combats aux côtés du régime de Bachar el-Assad. À Tripoli, la grande ville du nord du Liban, 18 personnes ont été tuées depuis le 13 mars dans de tels affrontements. Les élections municipales en France, le premier tour dimanche a été marqué par une forte abstention, un sérieux revers pour le Parti socialiste pénalisé par un rejet du gouvernement et une percée historique du Front National qui bouleverse le traditionnel duel droite-gauche. L'extrême droite emmenée par Marine Le Pen est en tête dans au moins 19 communes et a même remporté une ville de 25 000 habitants dès le premier tour dans le Nord. Au second tour, les frontistes annoncent qu'ils seront présents dans 315 des 36 000 communes françaises.
Les Espagnols ont rendu hommage lundi à Adolfo Suarez, décédé la veille à l'âge de 81 ans. Le cercueil de celui qui fut le premier chef de gouvernement après la dictature franquiste a été exposé dans une chapelle ardente au Parlement. Le roi Juan Carlos, qui a mené la transition démocratique de son pays avec Adolfo Suarez, a salué celui qu'il avait qualifié dimanche d'ami fidèle et de collaborateur exceptionnel. Atteint depuis 10 ans de la maladie d'Alzheimer, Adolfo Suarez avait dirigé le gouvernement espagnol de 1976 à 1980. Ce journal est arrivé à son terme. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition vous sera présentée à 13h par Delphine Glas.